pas donné à tout le monde de rester sur le trône, même faire, ne serait-ce que 6 mois, à plus forte raison 30 ans. C'est vrai que par moment, il y a eu des actes normaux. Dans la vie d'un homme, pas avoir seulement que le bonheur, mais je disais, j'ai 20 ans de règles, 20 ans de mort. Durant 30 ans, pour l'intronisation, c'est quoi la plus grande fierté que vous retenez dans vos différentes actions réalisées? Ma plus grande fierté, c'est de réussir au règlement des litiges dans tous les circuits, les conflits. J'en ai réussi. Et là, ça me rend fier. Ça vous a fait quoi aujourd'hui, à votre anniversaire, mais de voir tout le peuple Aboudé-Erré se retrouver aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire également? Justement, c'est pour ça que tout le sang-vie est là. Tout le sang-vie. Le sang-vie est là parce que, vous savez, le sel ne dit jamais qu'il est doux. Mais par contre, quand il n'y en a pas dans la sauce, il faut manger. Voilà, donc c'est les gens qui viennent me vénérer. Et je souhaite que c'est ceux-là qui parlent de moi, mais pas moi-même parler de moi. Voilà. Pour ça, c'est bon que vous êtes un homme d'action. Tout à fait. Mais en quoi des années à venir, c'est quoi les perspectives du roi? Bien, écoutez, j'ai passé 30 ans, j'ai fait beaucoup de réalisations, et par la grâce de Dieu, si Dieu me donne ne serait-ce qu'un an encore, j'aimerais faire plus. Voilà. Le message pour la Côte d'Ivoire pour finir? Le message pour la Côte d'Ivoire, nous voulons la paix. Vraiment la paix. Parce qu'un pays sans paix, on ne peut pas avancer. Je vous parlais tout à l'heure des réalisations. Mais vous pensez que si à la guerre, je peux faire des réalisations? Non, pas du tout. Donc il faut la paix pour nous permettre de créer même l'espace de ces entreprises pour pouvoir faire travailler nos enfants. Parce que les enfants aujourd'hui, on les met à l'école. On n'est pas parti, on te frappe, on pas d'elle. Mais tu pars, tu gagnes les gros diplômes, tu viens t'asseoir pour mécanique de l'économie. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi, c'est ça. Si aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour créer des usines, j'ai mis. Sa Majesté, on va regarder la population de la Côte d'Ivoire ici, les jeunes ici, et vous parlez aux jeunes dans cette caméra. Voilà. Ben, chers enfants, ma première préoccupation, c'est de vous dire d'arrêter de passer par Niger, Mali pour aller en Europe. C'est pas bon. On est mieux dans notre pays. Mieux, je dis mieux dans notre pays. Il faut sortir pour voir. Vous allez, on vous ramasse, on met dans des bateaux, on vous comme des animaux, et vous allez vous mourir. J'apprends, il y en a qui s'en vont avec la dernière fois qui a économisé, il a pu économiser 1,5 million. Mais ça peut tout faire des réalisations. Vous payez, arrivez là-bas, on vous arrache l'argent et on vous dit bon, appelez vos parents. Ils vous envoient l'argent pour vous rester là-bas. Qu'est-ce que vous avez en plus? Alors que 700 000, 800 000, vous commencez à laisser rester avec une petite plantation de manioc, et même vous pouvez être millionnaire. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'argent? Il n'y a rien de l'autre. Donc arrêtez d'aller vous faire tuer. Chers enfants, s'il vous plaît, arrêtez d'aller vous faire tuer. Sa Majesté, mais moi j'ai une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, la royauté, les organisations traditionnelles ont leur place dans une république? Ça dépendra. Ça dépendra. C'est-à-dire vous-même, vous êtes un chef traditionnel, vous êtes un roi. Si vous respectez, vous respectez. Okay. Si vous-même vous respectez. Vous respectez. Mais si vous ne vous respectez pas. Vous voyez, c'est un peu comme nos professeurs et autres qui sont en classe. Les professeurs, c'est un être humain comme nous. Et puis ça soit partagé un vin libéré avec quelqu'un, mais pas avec les élèves français. Quel respect vous voulez qu'ils vous donnent? L'élève là. Après le moment où vous vivez ensemble, tu es son camarade. Hein? Parce que la première goutte, il n'y a pas de problème, la deuxième goutte, la troisième goutte, il va commencer à se taper les épaules, à t'apporter. Ce n'est plus professeur et élève, mais c'est des amis. C'est comme ça. Donc, un chef traditionnel, tu connais ta place quand tu dois frapper. Quand tu dois parler. Point barre. Merci, Majesté.